because I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. Your suffering will be legendary, even in hell. Your suffering will be legendary, even in hell. Mon Dieu, Dixit Pinhead. Del Riser, c'est terrible. C'est terrible de dire des choses comme ça. Je suis pas sûr qu'il se rendait compte à l'époque de la portée de ses dires. Bon, en tout cas, c'est devenu culte. Ah, et ben toujours ce petit problème. On va régler ça en 2 secondes 5. Regardez ça, hop. Et hop. Et voilà, c'est réglé. Maintenant, ça se règle très vite. Les problèmes se règlent très vite. Bonsoir, Nictaras. Nectaras qui nous marque 33 centilitres de flotte fraîche à dispo. On va s'accompagner dans les ténèbres. Je lui ai répondu que c'était parfait. Alors, on se met sur le jeu, évidemment. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle partie. Je crois que c'est la sixième. Hein ? Hop, voilà. Nous en étions ici. Alors, et ma femme m'accompagne les premières dizaines de minutes. Ah bah parfait. Bon bah, Eve, tu es la bienvenue.
D'ailleurs, je vais le faire en facecam. Eve, tu es la bienvenue. Ainsi que mes petits clébards, tu seras protégé. Bon, voilà, maintenant je me sens bien plus safe. Alors, hier, hein, voilà, on est arrivé ici, hein, si je ne m'abuse. Et on avait trouvé cette espèce de cube qui n'en est pas vraiment un, qui représente des visages. Hein, on croirait même un peu des visages à la Odin, si vous voulez vraiment mon avis. Là, il n'a pas le droit de parler. Là, il est à l'envers. Là, il a pas le droit de parler, il met les yeux verts. Ok, bon, on va checker ça. Ok. Ah, je peux le tourner. Ah, je peux faire des choses. Pour l'instant, on ne sait pas, hein. Déjà, je check par où nous sommes arrivés. Ah bah, nous sommes dans le néant là. Je sais même plus par où nous sommes arrivés. Ah, je vais reprendre l'escalier pour que je me rende compte. Oui, on arrivait par là parce que je vois qu'il y a un corps. Je vois qu'il y a un corps au sol et en général, quand il y a un corps au sol, excusez-moi, je bouine un peu le son. Quand il y a un corps au sol, ça veut dire que. Évidemment, nous sommes arrivés de par là. Alors là, c'est une petite pièce, j'allais dire capitonnée, mais pas du tout. C'est une pièce métalliquement capitonnée. On ne peut pas l'ouvrir. Vraisemblablement, il va falloir qu'on tourne la statue dans un bon ordre. J'avais pris un papier de notes. Hein. Je vois que j'ai un petit papier à quelques notes que je vais rapprocher de moi. Parce qu'on avait vu des tableaux. Hein. On avait vu une femme seule qui vole. On avait vu un homme en feu et un récital avec le chiffre 436. Alors, je sais pas si ça va avoir un lien avec l'énigme. Mais bon. On va découvrir ça par nous-mêmes, petit à petit. Bon, bah, j'ai aucune indication hein, sur cette espèce de pilier, là. Je serais tenté, moi, de... Je serais tenté de plein de choses. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose à lire là? Non. On va aller se balader encore un petit peu. Je pense qu'on n'a pas tout fait. Mais je crois que si. Forcément, il faudrait qu'on ait l'énoncé l'énigme. Je crois qu'on n'a pas eu l'énoncé. Hein. Il n'y a que les couleurs des yeux qui changent sur les Odins. Il y a les couleurs. Regardez, on pourrait passer de l'autre côté là. Hein. Alors, pour te répondre, il y a les couleurs, mais aussi il y a aussi le fait que deux d'entre eux ont une main pour dire chute. Je regarde mon petit plan. Oui, mais encore. Nous sommes allés. Hein. Je peux rechecker, hein, mais je crois que on avait fait le tour de tout ça. Hein. On a bon ça tourne en rond évidemment. Je crois qu'on avait fait le tour de tout ça. Là on est arrivé par l'ascenseur, je me souviens. Ok, donc c'est... maintenant tout va se passer ici. Hein. Ah voilà, on a aussi des fils ici. Voilà, les clapes tendues dans la porte m'empêchent de passer. Alors je regarde dans mon inventaire, est-ce qu'on a quelque chose qu'on a eu qui nous permettrait de les couper? Peut-être. Peut-être en s'équipant de ça. Je tente, hein, j'y crois pas, mais... Non. Ce qui est dommage, parce que on aurait pu y croire, là. Non. Normalement, donc elle est un petit peu merdique, cette épée, hein, là, l'épée de Pyramide Head. Elle coupe même pas des fils. Bref. Allez. Donc, il faudra quand même qu'on se souvienne que ici, il y a des petits... on va dire des petits câbles quoi, hein, voilà. Il y a des petits câbles qu'on a qu'on pourra couper. Ici, ça va nous rendre à la zone où il y a justement Pyramidette qui est qui est pas content parce qu'on lui a pris son épée. Mais j'ai envie de le feinter et j'ai envie de savoir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y avait ici déjà? Ah oui, on se retrouve. Bah, c'est là où on a trouvé justement son épée. L'épée va bien nous servir à un moment donné.
J'adore ce plan avec le ventilo. Donc ici, ça ne servait qu'à récupérer l'épée de Pyramidhead. On pourra évidemment couper les cordes par n'importe quelle lame, mais évidemment, il faut l'item particulier, la pince métallique. La pince maléfique, pardon. Oui, oui. Ah bah oui, sinon ce serait pas un bon jeu vidéo. Donc on est d'accord, toute cette partie-là en haut à droite, ça ne sert strictement à que dalle. Oui, c'est quand même curieux qu'on puisse pas couper. C'est très labyrinthique, hein. Et là, c'est d'où on vient. Ouais, donc il faut qu'on redescende. Ouais, mais en même temps, on a toujours pas le... Attendez. Attendez. On va perdre du monde en route, là, mais moi, il faut que je me mette au clair avec moi-même. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai envie d'aller en haut à droite. Pour voir ce qui s'y trame. Non, mais non, c'est là où on vient. C'est ce que je viens de faire. Là, ce soir... Ok. En plus, je venais de le dire. Hein. Vous avez vu ça. Hein. On va perdre du monde en route ce soir. Hier, on a été d'une efficacité à toute épreuve. À toute épreuve. On a été d'une efficacité à toute épreuve. On a été vite. Hein. C'est comme l'hôpital. L'hôpital, putain, on l'a torché en 2-2. Mets-toi au clair, je retiens les gens sur le chat. Oui, oui, oui. Raconte-leur des blagues. Monte ton sexe. Distribue de la drogue, je te réglerai plus tard. Fais quelque chose. Je te fais confiance. Quelque part, on fait équipe. D'ailleurs, ma femme m'a suggéré de te nommer semi-modérateur. C'est-à-dire que tu pourras contrôler le premier mot des phrases des gens. Après, on verra plus tard ce que tu pourras faire d'autre. Alors oui, on peut tourner comme ça. Bon, vraisemblablement, il faut que... Il nous faut les noms. Ah ! C'est moi ou la porte a disparu ? Tout à l'heure, elle y était. J'ai bouiné quelque chose et la porte est arrivée. Qu'est-ce que j'avais pu bien faire ? De toute façon, j'ai trouvé la solution. Eh oui. Là, il y a une porte aussi. Ah, voilà. Il va falloir mettre la porte dans... Regardez bien. En fait, on bouge la caisse en même temps qu'on bouge le visage. Donc, il faudrait qu'on mette... Pff, on va se prendre la tête, hein. Mets-toi... Oui. Au clair, les gens. On peut toujours pas l'ouvrir là. Il faut. Ah bah voilà. Oh, on est des génies. On a. Ah bah non. En fait, cette porte là, c'est la seule qui puisse accéder à l'extérieur. Donc faut qu'on arrive à la foutre ici. Ou ici. Ou ici. Mais en même temps, donc il faut qu'on tourne vers la droite. Parce qu'il y a deux portes. Enfin, moi je me comprends. Voilà. Regardez comme je suis malin. Évidemment, ça n'a pas marché. Il aurait fallu que ça donne sur quelque chose. Si je le refais encore un coup, bah évidemment, on est dans le caca. Ah non. Évidemment, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire les portes de hauteur. Dis donc, sans énoncer, c'est pas simple. Hein. Salut Léa. Le pifomètre, oui. Oui, le pifomètre. Ok. Voilà. Genre. De toute façon, il peut pas y avoir... Voilà. Alors, on peut le tourner encore une fois. De toute façon, ici, il n'y a rien. On le sait déjà. Ou alors ça sera une porte... Allez, je le tourne encore une fois à gauche. Merde, je me suis planté. C'est dans l'autre sens. Deux fois. Ah bah merde.
Ouais, je suis pas complètement con quand même. Enfin, normalement, cette porte-là, elle aurait dû être là. Celle-ci. Non, mais c'est le moment de mettre mon bouton pour ce follow. Quand ça va mal, le petit bouton follow, en général, ça nous aide, j'ai remarqué. Attilia, tu tombes bien, on a besoin de toi. On a toujours besoin de Léa. Comment est-ce que tu sais quelle porte tu as envie d'avoir? Ben, j'ai envie d'avoir... Alors, je vais te dire. Déjà, j'ai envie d'avoir une porte pour pouvoir rentrer dans la pièce. Et après, j'ai envie d'avoir une porte. Alors, ça peut être très bien au sol pour pouvoir plonger, parce que le jeu est un peu foufou. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me faudra toujours une porte pour rentrer. Donc, c'est soit celle-là, ou alors, évidemment, regardez, ça peut être celle-là si je manie un peu la boxe. Ma caméra libre ne me permet pas de bien remontrer tout, hein. Ou alors, là-haut. Enfin, il va être question de pifomètre, hein. Ça, c'est. Bon, on va y arriver, hein. Rien ne me fait peur. Tiens, regardez. Et voilà, putain, mais le move. Non, mais vous avez vu ça? Le move, là. Allez. Si vous êtes nouveau et que vous venez d'arriver sur la chaîne, ça mérite un follow. Ça, c'est ce qui se passe tous les soirs. Tous les soirs, c'est comme ça. Juste de l'intuition, une espèce de mix entre le mentalisme et l'intelligence. L'intelligence dure, hein. On est dans la You're science dure, là. alive. Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James? What are you talking about? Just before! Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Oui, je me souviens très bien à Maria? l'hôtel. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. Ah bah dis All donc, I elle... want from you is an answer. Elle m'a l'air bien... Elle aime bien jouer sur les mots, hein. It doesn't matter who I am. Avec son collier de chat. I'm here for you, James. Oh. See? I'm real. Don't you want to touch me? Dis donc. I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Dis donc. Eh ben dis donc, c'est la première fois que je vois cette scène. Je veux dire, là, en HD édition. Bon, par contre, on voit quand même la comparaison. On peut faire la comparaison quand même entre la cinématique et le résultat là. Hein. Et là, si je fais un petit coup de caméra, non. Bon, on a quand même réussi. Vous voyez, vous étiez tous à douter, mais j'ai vaincu cette énigme très rapidement. Donc on ressort. Salut Tama, tu nous as beaucoup manqué hier. Nyctara a pas arrêté de se plaindre de ton absence. Ok, donc on a fait ça, mais encore. Maintenant qu'on a fait... Ah, c'est ouvert ici maintenant. J'ai une pince coupante. Eh ben, nous savons où aller. C'est ça. Dans ce chat, vous le savez, hein, tout temps perdu dans le jeu et du temps de gagner après. On sait maintenant où aller. C'est pour ça que j'aime bien être au clair au début. Je retourne au bout à gauche. J'espère que Tama va bien. J'en doute pas. Je n'ai même pas vu le replay en plus. Pas eu le temps. Ah oh bah d'accord, bon bravo. Si on peut même plus faire confiance à sa communauté. Si vous... Ah bon. Allez, j'ai pas envie de me fâcher.
Hier, c'était fabuleux. On a fini l'hôpital en 2-2. Oula, la bagarre. Et oh, ouais. Freeze! Et vous êtes témoin légitime défense. Hein. Là, c'était légitime défense. Hein. Je vais pas tirer dans le dos. Hein. C'est faux. Hein. Si on vous pose la question, vous répondrez que je vais pas tirer dans le dos. Il y avait légitime défense. Qu'est-ce qu'on fait? Ah là là. Je suis tenté de prendre. Juste pour voir vite fait l'escalier. On redescendra. Légitime défense. Il avait quelque chose de planqué dans sa blouse. Et on est remonté là où on était, non? Ah non. Bon, allez, on se fait ce secteur-là, et puis... Oh merde, on va redescendre encore. Ça se trouve, ça va être relié avec là où on était. Pas du tout. On va être encore paumé. Freeze! LPD! Freeze! Ah merde, il nous a craché à la gueule. Je laisserai personne dire que j'ai la gâchette facile. Non bon, on va quand même finir un secteur avant de monter les escaliers à chaque fois. Ça va être un joyeux bordel quand la carte sera complète. Oui, oui. Pour savoir où on n'a pas bien été. Oh là là. Putain, il y en a deux là. Allez, choisis celui-là. Et là, on est où? Bon, ça va. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, ok. Donc on redescend. Ok, on est là. Là, on va aller à... Je sais plus. À gauche? Oui. Oui, je suis remonté à... Merde, c'est là où on a coupé les fils. Ok, donc on redescend. Ah, on a fait que des mauvais choix, là. Il faut aller tout droit. Freeze, ah, il m'a craché dessus, Akab. Slash Akab. Hashtag Akab. Ah merde. Ah oui, non mais là c'est bon, on est de l'autre côté. On est de l'autre côté en fait. On croirait qu'on est revenu, mais non. On est de l'autre côté, là où on voulait se trouver. Allez, finalement. Bah, c'est quoi cette petite pièce? Ah, il y a quelque chose ici. Allez James, fais pas le salaud. Oh, je sens que le jeu va être salope. Va être coquin ce soir. Merde. Non, non, je voulais la carte. Elle est là, la carte. Alors ça, c'est curieux. On a une pièce. Mais y a rien. Y a un petit interrupteur, mais y a que dalle. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est une belle impasse. Belle impasse. C'est une belle impasse. Sorry. Sorry for this big mistake. Donc du coup, bon, je sais où. Enfin, j'ai une idée où. Oh là, mon Dieu. Une belle impasse of sorrow, satiricone. Ouais. C'est un de mes morceaux favoris. C'est le premier de Shadow's Throne, hein, c'est ça? Si ma mémoire black metalleuse est bonne. Ouais, là on est bien parce que j'entends un ennemi. Et ça veut dire qu'on l'a pas tué, donc nous ne sommes pas allés. À moins qu'il ait repopé. Allez, freeze!
Ah, on peut même tirer en avançant, c'est... Allez hop. De toute façon, il n'y a pas de témoin, personne n'a vu ce qu'on a fait. Ah oui, pardon, c'est sur Dark Medieval Times, mais c'est la première. Avec cette fantastique intro médiévale. Oula, oula. Merde, il recharge. Regardez ça, comment je l'ai cheesé. Là, je l'ai bien eu. Hein. Là, nous ne sommes jamais allés ici. Hein. Ouais, ouais. De toute façon, moi, la toute première de cette Iricon sur Dark Medieval Time, elle me fait encore des très grands frissons. Bon, ça va parler à personne qui n'écoute pas de black metal. Mais bon, on peut parler d'autres musiques encore une fois. Hein, mais c'est vrai que c'est vraiment un album fabuleux. Hein. Dark Medieval Time, le son de cette guitare. Enfin bref. Là, on est sur l'NN's édition, il faut qu'on se focalise. Alors là, on peut redescendre par ici, mais avant de redescendre, j'ai envie de checker quand même la map complète. Parce qu'on a quand même... Mais à mon avis, on tourne en rond. Ouais, voilà. Ouais, heureusement qu'on a la map. Hein. Allez, on redescend. Allez. Eh, hey, oh là, bah oh. Je savais pas qu'il était si près. Freeze. On a tellement de balles qu'on peut se faire plaisir. Bon, on tourne à gauche là. Y a rien. Y a un escalier. On va checker tout avant de monter les escaliers. Moi je propose ça, comme ça. Et encore. Merde, il recharge. C'est un mélange d'action et c'est de l'action souterraine que je vous propose. Hein. Ça me fait penser à mon dernier roman. Hein. Je fais un peu de pub. La dissidence des cancres là, chez LBS Édition, distribué par Albin Michel. Si vous savez pas quoi faire, vous commandez ça sur Amazon ou chez votre libraire. Il l'a peut-être en rayon en plus. Vous allez passer un bon moment. Hein. Alors, de toute façon, on n'a pas le choix, on va être obligé de... On va prendre cet escalier. Oula, oula, je suis en train de lire le... Je suis en train de lire le chat. Qu'est-ce qu'il est gourmand, ce James. À peine il a tué le mec, qu'il est déjà en train de regarder les balles au sol. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de voir l'ennemi. James pointe l'arme vers le bas dès qu'il est au sol, donc ça me donne l'indication que je peux aller lui mettre un coup de botte dans les couilles. Va falloir que je me trouve cette dissidence des cancres là. Ah, ça me fait plaisir, ça voudrait dire que tu as apprécié mon premier roman Vermine. Alors il est beaucoup plus sombre, hein, je te préviens. Il est plus long et plus sombre, mais par contre il est moins cher. Qui dit meilleur éditeur? Dis moins cher. Oh putain, il y a Pyramidon. Alors, je vous le dis tout de suite, le Pyramidon, on peut pas se le fighter. Hein. Alors, il va falloir qu'on le... On arrive de par là, on va voir ce qu'il y a par ici. Alors, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Il y a un journal par terre. Oui, il est plus sombre, plus glauque même. Un peu moins drôle, tu verras. Il y a un journal par terre. On le dirait taché de sang, et il n'est que partiellement lisible. Qu'est-ce que j'adore quand ça pixelise. Un homme identifié comme étant Thomas Ro... C'est caviardais, comme on dit. Hein. Bûcheron, âgé de 39 ans, a été découvert au arbre, couché sur le dos. Il a probablement succombé à plusieurs coups d'un objet tranchant porté au cou et sur le côté gauche du torse. Il a vraisemblablement, ah oui, il n'y a pas que moi qui utilise ce mot, vraisemblablement, été tué entre 23h et minuit. Se basant sur les signes de lutte
Prélevée dans la pièce et l'absence de l'arme du crime, la police privilégie la thèse de l'homicide volontaire et a décidé d'ouvrir une enquête pour assassinat. En outre, étant donné que l'argent trouvé dans la pièce n'a pas été touché et que Monsieur Oro, connu pour son alcoolisme et sa violence, la police soupçonne que le fugitif n'était pas le voleur, mais une sorte de crime passionnel. Hein, on va dire que c'est ça. Ok, ça nous avance pas, mais ça nous questionne. F5, bien sûr, merci, Hector Haas. Le mois d'août. Oui, le mois d'octobre. Alors. Là, je pense qu'on a bien fait de sneaker Pyramid Head, mais peut-être qu'il y avait quelque chose derrière lui, on ne le saura pas tout de suite. Hein. Et peut-être jamais. Se passe. J'ai bien fait de faire F5, je pense. Ah, on retrouve notre ami. C'est comment ça s'appelle ? Barbara ? Oula. Ah, bah ça commence bien. On a que 4 coups, hein. Mais oui, mais que... Oh. Bah oui, mais oui, mais... Vous savez quoi, on va plutôt prendre ça. Parce que le fusil, là, en... C'est tellement intimiste, la pièce. Enfin, je veux dire, c'est tellement restreint. Quoi, on n'a plus de trousse de soins, je n'y crois pas, hein. Merci. On va lui mettre du shotgun. Voilà. Ah merde. Je joue mal là. Un seul coup. Hein. On va te sauver, Barbara. Elle s'appelle Barbara ? Je me souviens plus. Angela, autant pour moi, merci. Léa. Are you okay? Pas l'air si traumatisé que ça. Angela, relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Un peu de tenue là, Angela. Hein. Il y a des gens qui regardent. Angela. Don't touch me. You make me sick. Un peu ingrate, Angela. On vient de la sauver. On la dégoûte. Ah, elle a... You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. C'est quoi cette fausse solidarité féminine là? Et elle me chie dessus. Dis donc, ridiculous. I never. On va pas être copains, Angela. Hein. Moi, je viens de te sauver la vie là, d'une espèce de cloporte attachée à une table.
Et toi, tu me dis que je suis un porc et que ma femme, j'en ai pris une autre alors que je suis là pour la retrouver. Vous avez vu ce coup des pistons là, hein? C'est magnifique. Hein? Quelle bonne idée. C'est des douilles, hein. Alors ça fait évidemment, c'est très phallique, hein, comme symbole. Hein? En plus, elle nous a parlé plus ou moins qu'elle était battue, elle était certainement violée, hein, c'est ce qu'elle a dit. Et puis là, on a des pistons qui font des va-et-vient, ça symbolise quand même la pénétration, et en même temps, on peut comprendre que c'est par la force, vu que ce sont des douilles. Enfin bon, on va arrêter là. Je ne commenterai pas ce que tu viens de dire. Oh. Alors là, il y a une petite réunion où on n'était pas du tout conviés. On n'a pas reçu de carte ton invitation. Par contre, c'est magnifique. Hein. L'Enens édition, hein, quand même. Hein. Quel plaisir. Son visage est recouvert d'une feuille de papier. Elle porte une inscription. Pendu pour kidnapping. Justice et vengeance consommée. Bon, très bien. Effectivement, si elle s'amusait à kidnapper les gens, je pense que la pendaison était appropriée. Après, toi, qu'est-ce que t'as fait de mal? Ah, rien de marqué? Ah si. Pendu pour vol. Bon, là, c'est un petit peu plus violent. Justice et vengeance consommée. Alors, kidnapping, vol. Pendu pour meurtre. Bon. Justice et vengeance consommée. Là, on se rapproche plus de la peine de mort, là. Pendu pour contrefaçon. Voilà, c'est un peu salaud. Humain, consommé. Et toi, ma grande, qu'est-ce que t'as fait de mal? Pendu pour escroquerie. Contrefaçon, escroquerie, je trouve ça un petit peu dur quand même comme sentence. Et toi, ma belle, qu'as-tu fait? Pendu pour incendie volontaire. Ah, c'est pas cool. D'accord, très bien. Et alors? On peut vous pousser le... On peut vous pousser? Non, on peut rien faire. Bon, on essayera de se souvenir de tout ça, c'est-à-dire que c'est impossible. On se souviendra que c'est ici. Dans cette espèce de grande pièce, tout en bas à droite, d'accord? La réunion Zoom de Silent Hill, oui, c'est ça. Ok. On n'a pas fait cette porte. Si, on en vient, puisqu'il y a la petite porte papier mâché. Donc on a... donc du coup... On continue. Bien, c'est bien ça, hein. Là. Ah. C'est pas la même pièce. C'est pas la même pièce. Il va falloir qu'on accroche des choses ici. Attends. Déjà le premier. Une corde pend du plafond. Veux-tu tirer dessus? Oui. J'espère qu'on fait pas de bêtises. En plus, j'ai pas fait F5. J'espère qu'il va pas mettre sa tête quand même. James, il en est pas là, quoi. Non, non, il faut qu'on sache déjà de quoi il en ressort. Ah, il y a quelque chose d'écrit. À droite. Oh là là. Là, on va encore rentrer dans le maelstrom de l'énigme Silent Hill-esque. J'espère que vous êtes prêts. On peut vous pousser. À droite, à gauche, ainsi se balancent les pendus. Mais combien de morts avez-vous vu? Tic-tac, face de sueur et langue bleuie, ces morts vont me donner le tournis. Bah, on a vu 6 morts. Le premier a tué le boucher, puis en a fait une bonne poêlée. Avant de le servir à ses invités affamés qui ont demandé. Bon, ça, c'est la personne qui a tué pour meurtre. Celui-ci, tout sourire, des bonbons pleins les poches, de la rue a tiré des mioches pour les vendre, véreux et des esclavagistes peu scrupuleux. Profitant de la nuit pour cambrioler, ce voleur s'est retrouvé bien contrarié. Séduit par les vapeurs d'alcool, il s'est retrouvé le lendemain en geôle. Inspiré par un talent d'enfer, l'artiste s'en prit aux effigies de Voltaire. Joyeuse, la pluie sans fin sonna quand l'encre des billets, elle, dilua. Souffrant d'extrême cupidité, il s'en prit aux sous d'autrui et incapable de résister au dernier, sur la pointe des pieds, il s'enfuit.
Trois maisons réduites en cendres, la loi à court de coupables, entre quatre murs, mais l'étranger, et de coup, s'acharne à le rouer. Ah mon dieu. Le dernier, c'est... Alors le premier, c'est le voleur. C'est le tueur. Je le note. Tueur. Alors il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, c'est l'incendie. On est d'accord. Ça sent le cramer. C'est ma femme qui cuisine. Ça me dit rien qui vaille. On recommence. Alors, à droite, à gauche, hein, condamné à la fois. Alors, 6 pieds en haut et 6 condamnés à la fois. Une boucoline. Bon, ça, c'est cette préambule. Et là, l'autre. Notice. Seul le fourreur peut vous aider. Tire par erreur sur la corde d'un assassin et ta récompense te sera donnée sous une forme plus qu'étrange. On a déjà tiré sur cette corde-là, c'était pas la bonne. Hein. La cuisine cramée et personne, oui. Donc on les met dans l'ordre. Le premier, c'est le tueur. Hein. Le premier a tué le boucher, donc ça c'est le premier, c'est le tueur. Celui-ci, tout sourire, des bombes plein poche, de la rue a tiré des mioches pour les vendre, véreux. Ça, vous direz quoi? C'est l'extorsion? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de Léa, Nick Taras et de Tama. Ça, c'est de l'extorsion. Celui-ci, tout sourire, des bombes plein les poches. Ou c'est du vol? Hein? De la rue a tiré des mioches pour les vendre, véreux et des esclavages peu scrupuleux. Vol. Meurtre, incendie, escroquerie. Non, incendie, c'est à la fin. Non, je sais, mais il me les faut dans l'ordre. Là, par exemple, celui-ci. C'est quoi? C'est de l'escroquerie, ça? On a escroquerie et aussi on a extorsion. Moi, ce que je veux juste savoir, ma question, c'est celui-ci. C'est de l'extorsion ou c'est du vol? Celui-ci, tout sourire, des bonbons plein les poches, de la rue a tiré des mioches pour les vendre. Véreux à des esclavagistes peu scrupuleux. Ça, c'est pas terrible, ça. Alors après, non, c'est pas les deux autres, c'est les quatre autres. Il y en a 6. Profitant de la nuit pour cambrioler, ce voleur s'est retrouvé bien contrarié. Bon, là, c'est le voleur. Le troisième, c'est le voleur. Il va falloir qu'on tire les cordes dans l'ordre. Ça, c'est le voleur. Hop, on s'en fout de lire la suite. Après, inspiré par un talent d'enfer, l'artiste s'en prit aux effigies de Voltaire. Joyeuse, la pluie sans fin sonna quand l'encre des billets, elle, dilua. C'est de l'extorsion, ça. C'est de l'escroquerie. Escroquerie, ça. Il a fait des faux billets. Vous entendez maintenant? Il y a un truc qui est tombé. Ça sent le cramer maintenant. Oui, contrefaçon pour les billets. Oui, mais il n'y a pas contrefaçon. Donc c'est escroquerie. Après, souffrant d'une extrême cupidité, il s'en prit au sous d'autrui et incapable de résister au dernier sur la pointe des pieds, il s'enfuit. Ah, c'est aussi du... C'est de l'extorsion. Contrefaçon pour les billets. Mais il y avait contrefaçon dans... Il y avait contrefaçon dans les pendus. Moi, je me souviens d'escroquerie et voleur, mais contrefaçon. Ok. Donc là, contrefaçon, c'est celui d'avant. Et celui-ci, souffrant d'une extrême cupidité, il s'en prit au sous d'autrui, incapable de résister au denier, sur la pointe des pieds, il s'enfuit. Et ça ressemble à voleur aussi, ça. Tu as même considéré ça, salaud. Oui. Je m'en souviens maintenant. Oui, il y en avait 3 où vraiment ça méritait pas la peine de mort. Et donc en fait il y en a 2 où j'hésite. On va retourner dans l'autre pièce. 3 maisons réduites en cendres. Bon, ça c'est bon, hein.
Allez, on retourne dans la pièce, on va aller voir, on va voir tout ce qu'on a. Et puis ça va être simple, on va les tirer dans l'ordre. Le problème, c'est que j'ai déjà tiré une corde. C'est cette porte-là. Alors, puis comme ça, je vais faire 6 carrés. Ça va aller vite, on va pas se prendre la tête. Alors celui-là, c'est quoi? Ah, kidnapping. Eh ben c'est bon, on l'a. Ça, c'est kidnapping. Kidnapping. Alors, c'est le kidnapping, c'est bon. Allez. Allez, Coco. Mets-toi bien en face, putain. Vol. Celui-là, c'est vol. Salut, Bambina. Ça fait plaisir de voir que tu passes à chaque fois. Pendu. Alors, celui-là, c'est meurtre. Je le note. Je prends toujours un petit papier quand je joue à Silent Hill, ça va plus vite. Bon, pour meurtre, on peut comprendre. Mais les autres, contrefaçon, lui. C'est bon, on va y arriver là. Contrefaçon. Celui-là, escroquerie. Escroquerie. Et celui-ci, l'incendie. Bon, ça, c'est le dernier. Ça, on l'a, c'est celui qu'on a compris tout de suite. Ok. Allez, hop. Faut tirer que sur une seule corde. Ah non, faut les tirer dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Plein de choses dans ma vie. Attendez, attendez, attendez. Je suis là, je veux retourner en arrière. Allez. Alors, on n'a pas le temps de discuter. Oh putain! Mais il recharge! Putain. Ils sont morts. Allez, on y retourne. Sinon, on va avoir des surprises étranges. Ah bah de toute façon, on va avoir une surprise étrange parce que j'ai tiré sur la première corde et la première corde c'était le kidnapping et c'était pas ça. Hein. Alors, on relit le truc. Ça va être simple. Alors, le premier a tué le boucher. Bon, on est d'accord que celui qui a tué le boucher, c'est le meurtre. Donc c'est celui-là. Tout en bas à droite. Le deuxième, tout sourire, des bonbons plein les poches de la rue, a tiré des mioches pour les vendre véreux à des esclavagistes peu scrupuleux. C'est du kidnapping, ça. Ça, c'est le deuxième. Profitant de la nuit pour cambrioler, ce voleur s'est retrouvé bien contrarié. Séduit par les vapeurs d'alcool, il s'est retrouvé le lendemain en geôle. Ça, c'est le voleur. Donc, 3. Ah, allez, c'est une affaire qui roule, ça. Inspiré par un talent d'enfer, l'artiste s'en est pris aux effigies de Voltaire. Joyeuse, la pluie sans fin sonna quand l'encre dépouillée le dilua. Alors, ça, c'est de la contrefaçon. 1, 4. Souffrant d'une extrême cupidité, il s'en prit au sou d'autrui et incapable de résister au denier sur la pointe des pieds, il s'enfuit. Ça, c'est de l'escroquerie. Et le dernier, c'est l'incendie. On est d'accord. 3 maisons réduites en cendres. Allez, hop, c'est une affaire qui roule. Vous avez vu ça? Yes, pour avoir déjà joué, je me souviens de ce détail. Par contre, lequel? Prout. D'accord, bon, très bien. Alors, on commence par le meurtre, ici. Non, mais c'est bon, hein, j'ai tout dans l'ordre là. Une corde pendue au plafond, oui, je tire dessus. Une fois qu'on peut noter les choses, c'est bon, quoi. J'ai bien fait de prendre encore mon petit papier. En général, ces petits papiers-là, je les garde et je les glisse dans la boîte. Après, on fait le kidnapping. Après, juste à droite, c'est le vol. N'hésite pas à regarder la notice quand même. Non, non, mais je regarde en même temps. Ok. Vous allez voir, on va avoir tout bon. Après, nous avons affaire à la contrefaçon. J'ai fait un petit dessin qui représente les cordes dépendues dans le bon sens. Ok, 4. Après, on va faire l'escroquerie, puis l'incendie, puis ça va nous ouvrir quelque chose. Ce sera une énigme rondement menée. Je vais vous le montrer à la cam, ce petit dessin.
Vous le voyez? Voilà, c'est les petites croix, c'est les pendus. Et les petits chiffres, bah, c'est l'ordre dans où je dois tirer. Allez, coquin, mets-toi bien en face de la corde. Et voilà, vous êtes prêts? Là, c'est le triomphe, là. Mon triomphe est imminent. Mais pourquoi? Pourquoi tant de malveillance? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, en plus, c'est sûr que c'est ça. Hein. Là, je. Parce qu'on a déjà tiré sur une corde en premier? Il n'y a même pas de surprise. Mais non, mais je les ai vraiment fait dans le bon ordre en plus. Attendez, il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. Peut-être qu'elle est ouverte maintenant. On est où là maintenant? Ah, une petite menotte. Impossible de faire tourner la poignée sans retirer les menottes. Il va nous falloir une clé. Alors peut-être que le fait que j'avais déjà tiré sur une corde de pendu nous oblige à tout refaire. Parce que je suis convaincu de mon ordre. Hein. Meurtre. Bon, je leur fais vite fait quoi. Je trouve ça curieux. Non, non, je suis convaincu de mon ordre. Le premier c'est le meurtre, après c'est l'autre avec les gamins, c'est le kidnapping. Non, puis j'ai fait un plan, je peux pas me planter. Après c'est le vol. Puis le côté de la contrefaçon, bah c'est ça, c'est les billets, l'encre. Voltaire, c'est parce qu'il est sur les billets, quoi. Et puis l'encre a fait disparaître, et puis on voit que c'est des faux billets. Faut tirer sur la seule corde de la personne innocente. Bon, écoutez, peut-être que t'as raison. Je finis mon idée. Pourquoi? Et à quel moment ils nous disent de tirer sur la corde de la personne innocente? Ah, c'était marqué tout à l'heure? D'accord. Bon, j'oublie cette histoire de tirer les cordes, mais je finis quand même. Parce que je suis têtu. Comme un breton. Non, parce que moi j'aime bien tirer sur les cordes quand même. En général, j'aime bien tirer sur la corde. Et là, ça m'en donne l'occasion. Non, mais vous avez certainement raison, faut tirer sur une seule corde. Bon. Allez, qu'est-ce que j'ai pas compris? Seul le pur peut vous aider. Tire par erreur sur la corde d'un assassin et ta récompense te sera donnée sous une forme plus qu'étrange. Oui, en fait, vous avez raison, faut pas tirer sur les cordes des assassins. Alors qui est pur dans cette histoire? Je ressors de la pièce. Parce que qui est pur là dans cette histoire? Vas-y, on relit le truc. À droite, à gauche, ainsi se balancent les pendus. Mais combien de morts avez-vous vu? Tic-tac. Hein. Lui, le premier, c'est un meurtrier. Alors, il n'est pas vraiment pur. Celui-ci, tout sourire, des bonbons plein les poches, dans la rue, a tiré des mioches pour les vendre. Bon, c'est pas forcément impur, c'est kidnapping. Le troisième, c'est du vol. Profitant de la nuit pour cambrioler, ce voleur s'est retrouvé bien contrarié et séduit par les vapeurs de l'alcool. Il s'est retrouvé le lendemain en geôle. Ah, peut-être qu'il a rien volé. J'en sais rien. Bon, en tout cas, ça pourrait être le voleur. On va dire. Inspiré par un talent d'enfer, l'artiste s'est pris aux effigies de Voltaire joyeuse, la pluie s'enfin sonna quand l'angle des billets le dilua. Alors peut-être qu'il n'a pas eu le temps de truander, lui, vu que les billets n'ont rien fait de mal. Ça pourrait être la contrefaçon. Ça pourrait être le 4. Le voleur a fini bourré, voilà. Ça pourrait être le voleur ou la contrefaçon aussi.
Regardez, joyeuse, la pluie sans fin sonna quand l'encre des billets, elle, dilua. Il n'y a peut-être pas eu le temps d'arnaquer qui que ce soit, quoi. Se revendant d'une extrême cupidité, il s'en prit au sou d'autrui et, incapable de résister au denier sur la pointe des pieds, il s'enfuit. Bon, ça, c'est quand même de l'escroquerie. On est d'accord. Trois maisons réduites en cendres. Bon, ça, on va pas lui dire que c'est un mec pur, le mec qui fout le feu chez les gens. Bon, on tente que... On sort et on revient et on tente que... Le voleur... Moi, je tenterais bien que la contrefaçon, hein, ça n'a pas marché. Ok, je vais regarder ça. Allez, c'est le dernier. Trois maisons réduites en cendres, la loi à court de coupable. Ah, la loi à court de coupable entre quatre murs, mais l'étranger de coup s'acharne à le rouer. Oui, mais c'était peut-être lui quand même, hein. Mais c'était peut-être lui quand même, on sait pas. Hein. Ok, non, mais vous avez raison. Trois maisons réduites en cendres, la loi à court, oui, à court, ouais, de coupable. Entre quatre murs, mais l'étranger. Donc vous avez raison. Oui, dès que j'ai vu incendie, moi tout de suite c'était confess, punish him. C'était lui. Il s'est fait condamner pour rien. Donc c'est l'incendie, c'est le 6. On ressent et on revient. C'est celui-ci, le 6. L'incendiaire est ici. Oui, c'est une bonne chose que je sois pas juge. Il faut qu'on aille... On retourne dans la pièce où il y a les coquins. Ah, moi je vais vous réveiller, hein. Ah voilà, m'en doutais. J'ai les clés des exécutateurs. Le papier qui recouvrait le visage du mort, j'y ici. Allez, c'est bon. Autant pour moi, j'avais mal lu l'énoncé. Autant pour moi. Je pensais vraiment qu'il fallait tirer dans l'ordre. Décidément, ils vont réapparaître à chaque fois là. Donc on peut aller se diriger vers les menottes. Ils sont juste ici. Voilà. Oh, par contre, on va se soigner. Hein. J'en ai 11. Allez, hop. Elles sont jolies, hein. Allez, c'est parti. J'ai utilisé la clé des exécutés à tort. On n'exécute jamais vraiment à tort. Bravo, merci. Très bien. Un petit check. C'est parti. F5. Partie sauvegardée. Et je vais reprendre mon flingue. Hein. Oh bon, ça non. Sinon on y est encore demain. Bon là, il y a une porte. C'est verrouillé. Il est en train de mouiller tout son petit futal, hein, le James, mais ça n'a pas l'air de le contrarier. Il y a un chiffre d'inscrit, hein, c'est la 208. Cinématique. Maria? Maria? Ah bah merde. Maria, no. What happened to you? Why? Why? Ouais, c'est très joli, ouais. Bon, là, Maria, il s'est passé quelque chose. Elle s'est coupée les veines? Quoi? Elle est morte de quoi, Maria? Déjà que ça n'est pas morte la première fois, c'était curieux. Hein.
Alors je suis pas légiste, mais là je vois pas de quoi elle est morte. Mary. La nécrose fanée. Oh, il se barre comme ça. Ah non mais moi je veux voir. Il n'y a plus rien d'utile dans cette pièce. Bon, si tu le dis. Vous entendez ce petit piano? La porte est ouverte maintenant. Petite trousse de soin. Ils nous prennent vraiment pour des noobs, hein. Ah, ça serait pas un cimetière, là? Hop, là, je retourne la caméra. On va s'imprégner un petit peu de l'ambiance, hein. Il y a trois tombes. Je vais ramasser les balles. Il y a quand même trois tombes qui ont été creusées. Bien sûr, on va faire une save. Et on va pouvoir se jeter dans celle-là après. Et on va lire le nom des tombes. Il y a un nom sur la pierre tombale. James Sutherland. Mais c'est moi, James Sutherland. Angela Orozco. Mais c'est le Angela? Eddie Dombrowski. Mais c'est Eddie. Mon Dieu. Et sur les autres? Il y a une épitaphe. Ce criminel a bu une dernière bouteille de bière avant d'être exécuté et enterré ici même à jamais. Le nom est trop éraflé pour pouvoir être lu. Bien fait de m'inquiéter un petit peu de ce qui se passait ici parce que on retrouve des balles de fusil de chasse. Un fusil de chasse est très bien, mais le nom est trop éraflé pour pouvoir être lu, ok. Là, c'est juste un nom. Et là, Myriam K, traîtresse. Bon, vous savez ce qui va se passer là, hein. Il va se passer la save. Walter Sullivan encore. On va se jeter dans notre propre tombe, hein. Le nom est trop, voilà. On les a toutes faites, hein. Allez, petite save officielle. Et on se jette. Ah bah la chute a été rapide. La chute a été très 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 rapide. Mourir, c'est quand même l'objectif de chacun. Oui. Je reconnais bien là ton optimisme. Nick ta race. Ah, le fog revient là. Hein. Ça faisait un petit bout de temps. Ah, j'entends un petit bébé qui se réveille. Vous l'entendez pas parce que j'ai mis le nose gate. Je vais appeler sa maman. Et voilà. Vous avez vu comment je suis un père indigne? Ah, vous l'avez entendu, bah, c'est parfait. Vous avez entendu mon fils. Qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie, Eddie? What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Voilà, mon fond vert, elle déconne. Maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Il file un mauvais coton, hein, cet Eddie, hey. Hein. Have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James.
Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Oula, oh, Eddie, tu te souviens pas de nous? Merde. Merde, et moi je recharge comme un con. Je vais m'en remettre un peu de vie. Non, ça va. Merde. Ah, tu veux jouer? Tu veux jouer au con, hein, Eddie, hein? On va lui mettre un coup de chevrotine, hein, Eddie, il a l'air de comprendre que ça, hein. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On utilise le rifle. Allez, Eddie, qu'est-ce que tu fais, Eddie? Ah, voilà. Il se casse. Me prends-le en course, tu feras une crise cardiaque au premier 100 mètres. Il fera une prise. C'est pas impossible. Oui, tue tout le monde, Eddie. Là, c'est pas réglementaire. Oh, il est parti. Et on a récupéré. Oui, Eddie, là, il file un... c'est plus qu'une file à mauvais coton. Là, il a fait complètement un pull. Il s'est fait complètement un pull de folie. Là, le combat n'est pas terminé, j'ai l'impression. Do you know what it does to you, James? When you're F5. Hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. Encore un délire de persécution imagée. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. Tu vas l'aimer, Nick Tara, si tu les chiens. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. On va l'aider. Il need help, on va l'aider. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Allez, tu veux jouer au con, Eddie? On va jouer au con. Merde. Comment je peux sneaker son... Il s'agirait pas de mourir. On va recharger. Faut recharger. Ah, ça c'est du boss fight, on est vraiment dans Dark Souls là. Et voilà. C'est qui le patron? Prochaine fois je prends le shotgun. Eddie, ouais. Plus agréable. Eddie, il est bien plus puissant celui-ci. I killed a human being. Ah mais c'est un peu tard pour s'en désoler, hein. C'était lui ou nous, hein. A human being. En plus avec son short et ses chaussettes, là, regardez, c'est des chaussettes en pull. Rien que ça, ça mérite de mourir. Mary. C'est pas faux. Did you really die 3 years ago? Pourquoi il pense à elle là maintenant, il vient de tuer quelqu'un. Bref. Ok, donc là il y a de la barbac. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais c'est chaud. Bon, par où on est arrivé, par où on repart?
Très bien. On peut casser les petites pièces? Non. Évidemment que non. Ok, donc là, je regarde la petite carte. On se trouve... Ouh là 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 là, on est au bot launch. Mon dieu, on va pouvoir quitter cet enfer. On a fini le musée. Enfin, parce qu'on a... On était dans les profondeurs du musée. Les catacombes, en fait. Ils appelaient ça, eux. Kiku, H.R. Geiger. Oui. Très bonne référence. Moi, j'ai hâte de prendre le bateau. Voilà, allez. C'est parti. Un petit coup de bateau. Petit coup de barcounette. Mais c'est bien, la progression est fluide. Hein. Je sais pas en combien de parties on va le faire. Je crois pas que ça soit un jeu très long, hein, comparé aux productions qui se font actuellement. Enfin, maintenant. C'est pas un jeu très très long. Surtout si on speed comme je suis en train de le faire. Vous êtes gâtés. Vous êtes trop gâtés. J'aimerais bien être vous. Alors c'est à moi de le contrôler là? Oui. C'est moi qui contrôle James. Excellente idée. Alors c'est dans ce lac qu'on a lu qu'il y avait eu des milliers de morts. Hein. Vous en souvenez? Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est moi ou c'est le bateau qui tourne? Attendez, je regarde la carte. On est où là sur la carte? On ne voit pas. Ah oui, pardon, oui. Soixantaine. Oui, mais bon, ça fait beaucoup. Hein. Attendez, pourquoi il tourne là? Pas demandé de tourner. Non, il veut pas là, je suis pas dans la bonne direction. Oui. Bon, j'espère qu'ils vont pas. Oui, avec des mains tendues vers le ciel. Ouais. Bon, j'espère qu'on va dans la bonne direction. J'ai hâte de voir la où on peut accoster. Je sens que c'est pas par là. Ah si, là c'est bon. Il y a une lumière au loin normalement, non? Alors attendez, je tourne sur moi-même. Pour l'instant, je ne vois pas de lumière. Si vous en voyez une, vous, mais là du coup, ah voilà, oui, j'en vois une. Merci pour ce. J'aurais fini par me. Si j'étais perdu, j'aurais fini par trouver, mais merci, tu nous as fait gagner de précieuses minutes. Bien joué, Léa, quelle vision. Bon, en fait, c'est qu'elle connaît le jeu. Léa, en fait, elle nous spoil, elle nous gâche notre plaisir. Ma petite narine qui me pique. J'espère que... Merde. J'espère que ça vous gêne pas. J'ai de la mémoire pour ces conneries. Et je connais ce petit bébé, oui. Et je m'en lasse pas. Ça me fait plaisir de partager avec toi ce moment-là. On a la chance d'avoir les Nance Edition. Donc, ah, nous accostons. Ambiance. Alors, je me demande bien où on va se retrouver là, du coup. On a quitté Silent Hill. Ou alors, on est toujours. Oui, on va être toujours à Silent Hill, mais de l'autre côté du lac. Taras, elle y a joué à l'époque, elle témoigne. Oui, c'est plus un témoignage. Ben, son témoignage est essentiel pour notre progression.
Ah, c'est beau, mais c'est loin. C'est ça qui se dit. Cet endroit n'a pas changé en 3 ans. Avec les mains sur les hanches. C'est beau, mais c'est loin. Hein? À la Jacques Chirac Inside. Il va y avoir du taf, ouais. Non, je disais, c'est beau, mais c'est loin. Ouais. Bon, on a les mêmes références, c'est toujours un plaisir. Je regarde un petit peu hein, de comment ça se passe ici. Parce que bien souvent, il y a de la petite émo, hein, vous le savez. Et ben voilà. Oh, qu'est-ce qu'on a trouvé? Mais, James, pourquoi tu veux... Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte à musique avec une petite sirène? J'ai une boîte à musique, petite sirène. Ah bah tiens, voilà. Et heureusement qu'on l'a prise, hein. Sinon, on allait rentrer. Ah, il me montre rien du tout, hein. On est au Lake Hostel. Attendez, j'ai envie de voir quand même. Parce que là, j'ai fait ça. Là, il va me dire que je peux pas rentrer. Ah, si. Allez, on prend le plan. Lakeview Hostel. Waiting for you. Ah, c'est ça notre la special place? Non. Lakeview Amusement Park, ça va donner du joli tableau. Je t'attends. Qu'est-ce que... Chambre 312. C'était notre chambre d'hôtel à Marie et à moi. Marie, tu es là ou bien... J'ai un plan de l'hôtel pour les clients. J'aime bien la petite précision pour les clients. Genre l'hôtel est pas du tout comme ça pour les autres. Alors quand la caméra est comme ça, j'appuie ici. Et hop. Ça, c'est drôlement pratique. Tu es là ou bien? Oui, ouais, c'est, en fait, ça a été traduit par un Suisse. Allez, on fait ça dans l'ordre. Je crois que le verrou est cassé. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pour déposer sa clope. Kitchen. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir lire ce qui a été écrit. Avant, on pouvait pas. Hein. Enfin, très mal. Fire hose extinguisher. Ouais, bon, ok. Ici. Oula, oula, oula. Allez, toi, on va te tuer à l'ancienne. Allez, viens là, l'autre. Attends ton tour. Mais est-ce que j'ai le temps? Non. Faut pas qu'on meure là. Hein. Faut pas qu'on meure là. Hein. Allez, on prend de la vie et on save. Hein. Putain, et on serait mort là, on aurait été obligé de se refaire la barque et tout le bordel. Hein. Voilà, là on est bien vert. On est bien mûr. 1000 coups de barre, rien. Écrasement avec le pied, finish. Oui, oui, mais il a c'est sa botte secrète, voilà. Normal. Ok, donc on arrivait par où? On arrivait par là, hein. Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, on va plutôt regarder là. Ok, c'est fermé. On va reprendre le flingue. Hein. Allez, on rentre ici. Il y a du PQ. Il y a du détergent. Il y a surtout de l'émo. Qu'est-ce qu'il nous donne comme balle? J'avais pas souvenir. Hein. Il y a des balles de carabine. Vraiment, on n'a plus besoin de se servir de... Qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah non, là c'est la sortie. Il n'y a rien d'autre, quoi. C'est curieux. Un chariot de linge. Il n'y a rien d'autre d'utile à l'intérieur. Je check, hein. Qu'on n'oublie rien. Non, mais c'est tout. C'était juste une petite pièce pour se réarmer. Là, c'est les toilettes, a priori. Pour les femmes. Bon. Et là, je crois que le verrou est cassé. Ok. Hop, on remet la caméra. On va déjà checker tout le premier... Ah, James, tout de suite, il a vu qu'il y a quelque chose. On va sonner? Non, il y a un petit carton d'invitation. Monsieur James Sutherland, la cassette que vous avez oubliée est dans le bureau du premier étage. Alors voilà, c'est ça le truc.
c'est que quand ils nous disent le premier étage, en fait, c'est pas le premier étage. Moi, je cherche toujours à prendre les escaliers. En fait, non, c'est le rez-de-chaussée pour nous, français. Ok, donc, et dans le bureau du premier étage. Alors, d'accord. Là, c'est private. Là, on a une clé. Pas de clé dans la boîte à clé. Oui, mais t'es gentil, mais... Voilà. J'ai la clé de la chambre 312. La clé de notre chambre à Marie et à moi. Bon, alors cette Marie, de quoi, de qu'est-ce ? Attendez, il y a peut-être quelque chose à lire ici ? Non, c'est juste un tableau. Je vais être un petit coup sur le chat. J'essaie d'être professionnel. Hein. De plus en plus, j'essaie d'être professionnel. J'essaie de lire le chat en même temps, de faire des blagues. De... Enfin, vous avez vu, hein, ça s'est amélioré. Hein. Alors ça, c'est le magasin de souvenirs. Gift shop. Je crois que le verrou est cassé. Ok. Donc on a la clé de la chambre 312. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie là ? Il y a une empreinte rectangulaire. Il y a une plaque devant l'empreinte avec quelque chose de gravé. Place de la princesse ressuscitée. J'ai fait jouer... Oui, je fais jouer la boîte à musique. Sachant que nous, on en a déjà récupéré une. Hein. Tendez l'oreille. Le son n'est pas tout à fait normal. Cette boîte musique serait-elle cassée ou bien... Ouais, le ou bien, c'est très suisse. Attendez. Nous, on a une petite boîte à musique. Heureusement qu'on a pris la boîte à musique. Alors déjà, on a la clé 312. On va l'utiliser. Je pose la boîte à musique, petite sirène. Je fais jouer la boîte à musique ? Oui. Alors, je vais te le faire. Ouais, ça ne va pas. Et je reprends la boîte à musique et la petite sirène. On est rentré dans l'hôtel. On a trouvé une note en nous disant d'aller dans la chambre 312. C'est écrit sur la map. Et on a trouvé la clé de la chambre 312. On a trouvé, bien sûr, une petite boîte à musique. Et là, on est toujours au premier étage. On a trouvé un mot qui nous disait que dans le bureau, il fallait qu'on aille... Attendez, je vais te remontrer ça parce que moi-même j'ai oublié. Le petit mot nous dit notre cassette vidéo, voilà. Monsieur James Sutherland, la cassette que vous avez oubliée est dans le bureau du premier étage. Et moi, ce que je rajoutais, c'est que au premier étage, nous on pense qu'il faut monter, mais non, vous vous souvenez, c'est comme les Américains. Le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. Ok. Donc on sort de là, il y a une porte que j'ai pas faite, là je viens de voir, ça. Là on se trouve dans le restaurant. C'est leur sex tape. Oh, petit côté Resident Evil. Ah bah oh, c'est... Scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here, too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? Allez, donne ça. But don't tell Rachel, okay? C'est qui Rachel? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Alors, on va voir la lettre de Marie. Je vais vous la lire avec eux. Je vais essayer de faire un acting parfait. Chère Laura, je confie cette lettre à Rachel, qui te la remettra après ma mort. Je suis déjà loin, dans un bel endroit tranquille. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit au revoir avant de partir. Prends soin de toi, Laura. Ne sois pas trop dure avec les sœurs.
Et à propos de James, je sais que tu le détestes parce que tu crois qu'il ne me traite pas assez bien, mais donne-lui sa chance. Il est un peu bourru, parfois il ne rit pas souvent, mais c'est une personne très douce. Vraiment. Laura, je t'aime comme ma propre fille. Si les choses s'étaient passées différemment, j'aurais voulu t'adopter. Mon 8e anniversaire. Bon 8e anniversaire, Laura. Ta copine pour toujours, Marie. Ah, elle dessine des bites sur la vitre. Ah bah bravo. How old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Elle ne serait pas morte, Marie? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the Elder letter. The one, autre lettre? Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Hé, hey Laura. Bon, bah ça y est, on a encore perdu la gosse. On ne fait que la perdre, cette coquine. Je vais dire autre chose. Ah, on va regarder quand même ce qu'elle a dessiné. Un dessin de Laura, un chat. Ouais. Qu'est-ce qu'il regarde là, James? J'ai la clé poisson. T'es un peu dur sur l'acting, hein, mais bon. T'as vu, j'ai rien dit. Hein. Laura quitte le navire. Ah, quelle chance j'ai, hein, j'ai une communauté d'élite. Elle a été triée parmi le gratin de Twitch. Il y a une sélection drastique. Ok, oh là là, toi. Ah mais alors, oula, c'est pas comme ça qu'on va le tuer. Il est beaucoup trop puissant, lui. Déjà, on se remet un peu de vie, shotgun. Si vous êtes d'accord. Putain, mais il aurait fallu que je passe dans l'autre sens. Ok, et shotgun. On va faire les lâches, on va se barrer. Merde, on peut pas. Bon, ça va, ils sont pas très résistants. Comme dans bon jeu de, comme bon nombre de jeux vidéo dans la PlayStation 2, les boss deviennent des mobs. L'eau du panier, la cime, oui, la communauté. Le coin du mur a pris 3 balles pour rien, oui. Mais je crois que je l'avais touché quand même un petit peu. Alors attendez, on a trouvé une clé. Il est long cet inventaire. Après ils ont fait mieux, ils ont fait par classement, hein. Objet. Bon, ça c'est la lettre de Laura. Alors on a quand même la clé de la chambre de 312, faut pas qu'on oublie. On a la clé poisson, clé avec porte-clé en poisson, trouvée sur la table du restaurant. On a plein de choses. On a deux clés et on a une petite boîte à musique. Boîte à musique portant un personnage de conte de fées, la petite sirène, trouvée près de la fontaine. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, moi ce que je propose, c'est de monter. On peut aussi descendre. Allez, on descend pour voir. Allez. Ah, ça lui a rien fait. Il y en a un autre. On va prendre le flingue. Oh, je lui mettrais bien un petit coup d'épée. Ah bah voilà. Ah bah c'est drôlement efficace. C'était pour notre petit plaisir. C'était par vraiment par... Il y a un vase, il n'y a rien de que je puisse utiliser pour l'instant. C'était vraiment pour curiosité, pour notre petit plaisir. Alors là, c'est le Venus Star. Venus Tears. Ça me fait rire parce que c'est le nom de ma femme. Regardez ça. Serait-ce un piège? Ah bon, on va checker là. C'est verrouillé. L'arme de Vénus. Je sens le piège, pas vous? J'ai une bombe de diluant. Et l'ascenseur peut pas s'en servir. Ok. Ok. Regardez le tableau. Un tableau est pendu là, il n'y a rien d'étrange.
Et là, une toute petite porte. Bah, c'est peut-être pas une porte en fait. Là, c'est les toilettes encore. Bon, on a tout fait là. Ouais. Alors, le bar Venus Tears, on pourra l'ouvrir. Hein. Alors, peut-être qu'on peut utiliser la clé. Mais on n'a pas de clé. Hein. La clé poisson, c'est pas pour ouvrir ça. On est d'accord? Non, puis la chambre 312, évidemment, c'est pas ça. Ok, bon, je nous vois bien être obligé de monter maintenant. On fera une courte VOD comme on a fait pour... comme hier, quoi. On va jouer 1h45. Je propose, vu qu'on va monter là, et qu'on doit aller dans la chambre 312, bah, 312, ça va être au troisième étage. Enfin, au deuxième, en fait. Allez, on monte et puis on va voir après. On va bien voir. Ok. Staff only. Mais moi, je fais partie du staff, moi. Bon, sachant que ma vidéocassette est dans le bureau du... dans un bureau du premier étage. J'ai des cartouches. Ok. Il y a une petite mallette. La petite mallette. On l'ouvrait. Ah non, c'est pour lire le... Ah non, je croyais que c'était un métoscope. La valise est fermée. Allez, on tente la clé poisson. C'est bon. Ah, oh, mais on a un bol fou. Merde, j'ai pris une clé, j'ai pas lu. C'est quoi? La clé de la chambre 204, on a. C'est cool, hein. On fait dans l'ordre sans faire exprès. Regardez, il y a un tableau, là. Ça doit être le directeur ou je ne sais quoi est-ce. Je crois qu'on l'a déjà vu. Là, c'est le lounge. Là, c'est le reading room. Ok. Qu'est-ce que c'est agréable, hein, cette édition, mon Dieu. Hein. Il y a un livre là. Il n'y a apparemment aucune utilité particulière. Tant mieux. Il y a un livre ouvert posé sur le bureau, on dirait un livre de médecine. J'ai déjà lu un tas de livres de médecine. Aucun ne m'a appris quoi que ce soit. peut-être falloir apprendre à lire alors. Hein. Non mais moi je veux prendre la petite boutrolle. Voilà. Il n'y a rien de particulièrement utile ici. Ok. La musique s'est arrêtée, hein. Ça fait un petit bout de temps. Mais qu'est-ce qu'il nous donne comme balle? Je suis très surpris, je me suis pas mis en easy, je me suis mis en normal. Bon bah on a fait le tour, hein. Attendez, peut-être le présentoir là. Non. Non, non, c'était juste une petite pièce comme ça. Il y a encore des balles. Curieux. Hein. Une photo de l'hôtel. Bon, très bien. Ok. Bon, les toilettes, décidément, on pourra jamais les pisser. Là, je l'ai pas, là. Bon, ouais, c'est une mauvaise idée, ça. Mais merde, il recharge. Quel con. Mais... Et, j'ai pas envie de mourir. Hein. Ah, je peux... Même en étant... J'ai toujours mis cette petite narine qui me pique. Même en étant attrapé, alpagué, on peut quand même aller dans l'inventaire. Allez, on va le recharger comme ça va être plus simple. Il me met la tête dans son vagin, hein, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Oh non, mais là... Moi je veux bien, mais... Attends, on se casse. F5. Hein, on n'a pas envie d'avoir de mauvaise surprise. On y retourne. Voilà. Il est pas mort? Si. Mais putain, il tire pas. C'est quoi ce délire? Eh, heureusement que j'ai fait F5. Ah, t'as des gros soucis de connexion? Et heureusement que j'ai fait F5. Heureusement,
J'ai eu cette... J'ai présence d'esprit. Mais putain, mais... Moi, je veux bien, mais là... Il y en a une autre, là. Hein. Allez, allez, viens là, toi. Ah, faut les shooter de loin, quoi. Bon, il va falloir que je me re-soigne. C'est un temps fou à soigner dans ce jeu. Attendez, on avait la clé de la chambre combien? 204. On y arrive là. Et voilà. Oh, c'est tellement fluide là. Je suis content pour vous, c'est magnifique. Vous devez prendre un pied fou. Rien d'intéressant n'a été écrit dans le carnet de notes. Mais nous, on veut la clé. J'ai la clé de l'ascenseur de service. Bon, très bien. Ça fait beaucoup de très bien. Et là, il y a une petite mallette. Son marron, c'est table, chien, vagin. Oui. Love. Ah, on peut de nouveau avoir affaire avec ça. Ah, il va falloir qu'on écrive un truc. J'ai envie d'écrire Marie. Merde. Ah! Heureusement qu'il n'y a pas tout l'alphabet. Hein. Pas de R. Ou Marie. Bah non, Marie. Allez, fais pas ton salaud, mets-moi un Y. Il n'y a pas d'Y? Mais Marc. Voilà, c'est Marc. Bon, on se souvient. Dans la chambre. Ah, bah déjà, il nous a mis un petit rond. C'est ça que j'aime beaucoup. Hein. C'est très. C'est comme moi avec mon petit papier où je note tout. Il fait exactement la même chose. Il note lui-même. Et ça, bon, bah c'est tout con, mais bon. Pour l'immersion, c'est mortel. Dans Silent Hill Origins, c'est encore mieux fait. Il rajoute vraiment à la main, il fait des petits dessins. Ça me plaît. Enfin, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je suis en train de le... J'ai hacké ma PS Vita et je le fais sur PS Vita, le Silent Hill Origins. Parce que normalement, c'est un jeu PSP, évidemment. Que j'ai en boîte. D'ailleurs, si vous êtes sur mon Instagram, vous l'avez vu, j'ai posté toute la photo de tous mes jeux. Posteront 14 sur Instagram. Et là sur PS Vita, quel bonheur de pouvoir jouer avec les deux sticks sur l'écran de la PS Vita. C'est vraiment... Vous avez entendu? On les a déjà faites, hein. On les a déjà faites. Donc on a la clé de l'ascenseur de service. Je crois qu'on a tout fait là. Hein? Donc on continue tout droit. On va recharger. J'en utilise pour être full vie. On recharge. On recharge tout. Pour pas se être dépourvu quand la brise va venir. Et on a la clé. Alors 312. Et voilà. Étiqueté ascenseur de service. Trouvé dans la chambre 204. Et on a un diluant. Ça fait 1h49. 1h39. Qu'est-ce que vous pensez? On s'arrête là pour cette petite partie 6. Qu'est-ce que vous en pensez, Nictaras, Léa? Comme ça, on continue demain. J'attends votre feedback. On aura des énigmes à résoudre. J'ai besoin de temps, mais sans résultat. Yo, belle idée. Comme ça, on recommence demain pour la découverte de la chambre 302. Voilà. On fait ça. On s'arrête ici. On fait une petite... 1h40, c'est bien. Comme ça, je repasse en main cam. Moi, je trouve que c'est pas mal.
J'embrasse Léa, évidemment. Hein, j'embrasse Nyctaras. Et puis on va se faire un coup d'1h40 comme ça. Puis en plus, la progression est assez fluide là. Je suis assez content. Donc ça me paraît pas mal. Bonne nuit, Léa. Et puis bonne nuit, je sais que Tama nous regarde. Et puis quelques autres. Hein, je vois ça. Hein. Il y a des stalkers qui n'hésitent pas à s'abonner. Hein, parce que je sais qu'ils reviennent tous les soirs. Alors à un moment donné, bah, faut franchir le Rubicon. Faut se faire plaisir. Hein. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y aura pas de fausse, il faut pas avoir de... Il y a pas de fausse pudeur. Hein. Faites-vous plaisir. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Et je vous dis demain, 9h. Et puis pour les plus... je sais pas. Pour les plus foufous, je vous dis demain dans l'après-midi pour Dead Space 2. Je continue le mode survival. Allez, mettez la cloche. Et les pouces, et enfin tout le bordel. Tous ces trucs chiants qui intéressent personne. Je vous embrasse et à demain. Tchuss. Thank you.
permission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. Die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are.